Bonjour à tous. Alors, là, je me pose la question vraiment savoir pour la transformation si c'est faisable, si c'est pas faisable, si je me lance, si je me lance pas, et je me dis vraiment, ouais, je suis peut-être tout simplement gay. J'ai plein de trucs, de garçons. J'aime bien être un garçon. Je me sens plus bidon. Admettons, mais non, c'est pas que ça, hein. Je veux dire, il n'y a pas que ça, mais le statut dans la société. On est dans une société d'hommes hétérosexuels, mais d'hommes quand même. Ça, puis être un garçon finalement, c'est pas si c'est pas une fatalité, c'est génial d'être un garçon. J'adore être un garçon. On a des modes, on a des tenues réservées exclusivement aux garçons. J'aime être un homme. Je veux dire, je convoiterai pas les parfums pour femmes. Les parfums pour hommes sont tout meilleurs. Ça sent bon. Donc je préfère les parfums pour hommes. Il y a plein de trucs comme ça qui me font cogiter, je me dis, c'est sûr en femme, ça pourra plus se passer comme ça. Et j'ai pas envie. Après, je suis très hésitant, hein. Je veux dire, j'ai pas reçu beaucoup d'encouragement, donc je suis très hésitant sur ce choix qui s'offre à moi, si je le fais. Le premier psychiatre que j'ai rencontré qui m'a proposé une transformation, je lui ai dit, justement, je suis un garçon qui aime les garçons, donc je ne pourrais pas me transformer, parce que je serais plus un garçon qui aime les garçons. Je suis gay. Je suis gay, je veux dire. J'ai déjà aimé des femmes, j'ai déjà même fait des enfants, mais j'avoue, ça n'a rien à voir avec un homme. Je sais que beaucoup ont de la répulsion quand on leur dit deux hommes ensemble. Faut pas. Faut pas. Ce sont deux êtres humains. C'est tout. Ce sont deux êtres humains à part entière et ils ont le droit de se respecter autant vers leur tendance que vers une autre tendance. Ils ont droit au respect, à la dignité en tant qu'être humain, même s'ils aiment un homme. Il faut pas être repulsé. Au contraire, moi je trouve ça mieux, deux hommes ensemble. Et je pèse mes mots, hein, parce que même si c'est pas moi les deux hommes ensemble, je trouve ça mieux quand même. Et j'imagine que on doit nous trouver mignons, nous aussi, enfin je sais pas. Peut-être plus les femmes, qui trouvent ça plus mignon quand même que les mecs. Les mecs ils sont un petit peu écœurés des fois quand on leur dit on est gay. Enfin, ils commencent à me clôter, je sais pas quoi, des trucs comme ça, toujours les hétéros, ils me disent toujours ça. Mais au final c'est eux qui viennent avec la bite à l'air, dire ah t'es le premier mec, j'ai jamais aimé un mec comme ça, tatatatata, enfin toujours comme ça. Ça commence par me clote pas, après ça finit par t'es le premier mec. Et je le sens bien d'être le premier mec. Je veux dire, j'ai été le premier mec pour beaucoup de gens. Donc je sais pas, peut-être que je suis fait pour être gay. J'ai été le premier mec de beaucoup de mecs. Je sais pas ce que j'ai. J'ai rien de particulier, je sais pas. J'assume. Ouais. Ça doit être ça. Le fait que je m'assume. J'ai toujours assumé mon homosexualité. Ça n'a jamais été un problème. Le problème maintenant, c'est d'assumer s'il y a une sexualité. C'est plutôt ça le problème là qui se pose. Mais l'homosexualité, ça j'ai toujours assumé. J'ai jamais eu de problème avec ça personnellement. J'ai toujours bien vécu comme ça. J'ai toujours été bien entouré, bien cadré. Aussi cadré,
cadrés par des croyances spirituelles appropriées, cadrés par une éducation libérée, libérale, clairement, une éducation très libérale. Je l'entendais bien, d'être gay dans ce modèle parental, familial et social et professionnel, et etc. etc. Je suis enseignant, je suis pas seulement un cancre. J'enseigne des vertus, d'amour de son prochain et dans des langues qui parlent de vertus. C'est pas rien, mais en tout cas, pour ma part, j'ai toujours bien vécu mon homosexualité. Maintenant, le problème, c'est la transsexualité, c'est ça qui pose problème. C'est pas anodin parce que ça nécessite une transformation physique. Je sais pas si je suis prêt. Mais je crois que je suis gay en fait. Je crois m'être posé la question suffisamment de fois pour en revenir toujours à cette conclusion que je suis un garçon qui aime les garçons, point. Mais que je resterai toujours un garçon qui aime les garçons, point. Même si je finis vieux garçon, ça me donnerait, de toute façon j'ai déjà des enfants. Je pourrais pas être vieux garçon. Mais bref, même si je finis seul, célibataire. Parce que pour l'instant je suis en union libre. Union libre, ça veut dire que je partage pas spécialement mon quotidien avec quelqu'un, mais ma vie, je la partage avec quelqu'un par contre. Ce qui c'est une union libre. Ouais, je veux dire, j'ai suffisamment de recul pour dire qu'aujourd'hui je peux penser à être. Admettons que ça m'excite, cet interdit, cette anormalité d'être un garçon qui aime les garçons, parce que ce serait pas normal d'être un homme qui aime les hommes. Admettons que ça m'excite. Oui, ça m'excite. Admettons que j'aime bien jauger entre les limites de la morale, de ce qui est moral, de ce qui est anormal, de ce qui est normal, j'aime bien. Après tout, ça existe. Il y a toujours eu des couples gays. Et il y en aura toujours. Malgré le fait qu'on puisse changer de sexe, il y aura toujours des gays. Il y aura toujours des couples gays. Ça changera pas. C'est pour ça qu'on a le mariage gay. C'est pas pour rien. Hein. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui changeront pas de sexe, quoi, qui veulent être un homme qui aime les hommes, ou une femme qui aime les femmes. Je crois que c'est la définition que j'ai pour l'instant la plus précise de moi-même, c'est d'être un gay. Après, ça veut dire quoi gay? Good as you, aussi bien que toi. Je pense qu'on peut en conclure là-dessus, hein. Good as you, je suis aussi bien que les autres. Même si je suis pas une femme transformée, même si je suis pas un hétéro refoulé. un homosexuel refoulé ou un hétéro refoulé ou une femme transformée, même si je suis juste un gay, eh ben j'ai droit à mon identité sexuelle. Et mon identité sexuelle, elle reste principalement masculine. Même si mon rêve m'a un petit peu perturbé, je pense que c'est relatif aussi à des croyances spirituelles.